Hey, salut à tous les gars, c'est Rain, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve sur Hogwarts Legacy pour un petit tuto très simple. Vous voyez ici l'exploit de duel, atteindre un troll au visage avec son propre gourdin. Et non, vous n'allez pas utiliser la magie ancienne, ça ne marche pas, hein, parce qu'il y a une technique de magie ancienne qui vous permet de ligoter son gourdin vers le sol avec des racines et le faire rebondir sur son visage. Ça ne marche pas. Donc ici, tout simplement pour faire cette technique-là, c'est très simple. En fait, il va falloir vous équiper de cette technique-là, le Flipendo, hein, donc qui permet normalement de faire rotationner un adversaire. Hein. Ici, ça va être très simple. Vous verrez. En fait, on va essayer de trigger une technique particulière chez le troll. Donc, vous savez, il a une technique à distance où il va vous balancer un rocher. Il aura une technique où il va vous rush hein, comme ça en mode de gros bourrin pour essayer de vous rentrer dedans. Et il y aura des techniques où il va essayer de taper justement avec son gourdin en le faisant passer au-dessus de ta tête. Et bien c'est justement cette technique-là qu'on va essayer de développer chez le troll. Pourquoi? Parce que souvent il va enchaîner sur une technique rouge, une deuxième technique rouge et une troisième technique jaune. Et quand on sera sur la technique jaune, on va faire un protégo. Sans trop forcer pour éviter de tomber avec un stupéfix. Et je vais vous expliquer comment ça va marcher. Au moment où on va faire Protego, on va balancer le Flipendo et vous verrez que ça lui fera rebondir le gourdin. Mais pour vous expliquer tout ça plus clairement, on va essayer de lancer le combat. Donc écoutez, on va essayer de vous montrer quelle technique on cherche. Voilà, donc déjà celle-là, en fait. On va éviter une fois. Ah, deux fois. Ici. Hop. Flipendo. Et voilà. Et c'est exactement ça qu'il faut faire en fait. Vous le verrez en plus. Ça le stunt, c'est parfait, ça marche super. Et c'est la technique qui fonctionne hein, du coup pour. Merde, je suis en train de parler, je fais n'importe quoi. Pour faire le défi, l'exploit de duel. Atteindre un troll au visage avec son propre gourdin. Et non pas une technique du coup qu'on peut avoir avec la magie ancienne. Hein. Bon, c'est pas celle-ci, mais. Du coup celle où il s'attrape voilà le gourdin dans nos racines. Donc on va essayer de vous remontrer ça. Deuxième esquive. Et là hop. Et là hop, il s'est pris dans le crâne. Après on peut l'enchaîner, on peut lui faire tout ce que vous voulez. Il est stunt, on peut enchaîner. Enfin voilà, vous avez compris. En gros c'est juste ça. C'est rien de plus bête hein. C'est vrai que finalement au départ je me suis dit qu'est-ce que c'est que ces conneries, je comprends pas. J'y arrivais pas, en plus j'avais essayé avec la magie ancienne et je voyais que normalement il se tapait le crâne hein, et pourtant bah, ça marchait pas. Je me suis dit bah merde, et c'était tout simplement Flipendo, ici. Hop là, vous voyez. Et c'est très facile à faire, le timing il est pas compliqué à avoir. Et bah c'est idéal pour réussir à faire vos défis des fois hein, d'exploit dans votre suivi des quêtes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera. Hein. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous avez envie d'autres solutions, n'hésitez pas aussi. Hein, dites-le moi dans les commentaires. Et puis en attendant, je vais vous laisser là. C'était Rains, portez-vous bien. Allez, ciao ciao!